Bon, aujourd'hui, on va casser le mur de la cuisine. Ça y est, enfin, hier, on a monté l'HEA 140 de 4 mètres de long, je crois. À peu près. Bon, comme vous pouvez le voir, on est en mode travaux, maison, habitation en même temps. Donc, faut tout bâcher. Hop là, je fais faire un petit tour. Hop là, le bordel, la télé est bâchée, obligé. Hop, on l'a placé là-haut. On a bien étayé tout ça. On l'a rentré là. Je claque. Hop là, attention à la tête. On l'a rentré là jusqu'au bout, jusque là on pouvait. Et on l'a monté grâce au palan qui est juste l'étage au-dessus. On a percé le plafond, le plancher du dessus. Et c'est monté presque tout seul. Hop, je vous replace là. Tranquillou. Bon, bah c'est parti. On s'y met. Allez, tchuss! Salut à tous, donc dans cette vidéo c'était assez court, c'était assez succinct, mais voilà, on vous a montré comment on a posé notre HEA de 4 mètres et quelques pour remplacer le mur porteur de la cuisine et du salon. Donc faut savoir que le HEA on l'a rentré d'environ 30 cm dans le mur extérieur, et là il repose de ce côté-ci, il repose sur un linteau en béton qu'ils avaient déjà mis pour faire une ouverture à l'époque. Voilà, donc ici nous, bon, c'est un peu le bordel. Bon, là vous voyez un peu, je vous spoil un peu dans l'avancée du chantier. Donc ici ce mur en brique là qui tient pas grand chose, je vais le péter entièrement, et puis on va remonter un truc en parpaing avec de la ferraille et du béton dedans, dans l'angle
l'angle des parpaings. 1 sur 2 comme ça. Et puis juste à côté, on va remettre un poteau, un IPN en 140 je crois, que j'ai récupéré. Et puis voilà. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo assez courte. Je vous dis à la prochaine. On n'a pas beaucoup de temps en ce moment pour faire les vidéos. Mais on fait comme on peut. Allez, bisous.